Allez, deuxième demi-finale avec un match qui va opposer Tsuji face à Aniken. Meilleur Feilong, mais qui jouera très probablement boxeur face au meilleur Ken du Japon. Voilà, Tsuji qui va jouer boxeur face à Aniken, meilleur Ken du Japon, et qui commence directement en rushant et en faisant la chop medium kick. Voilà, ouf, Tsuji qui réussit à se sortir un peu de ce pressing. Il a pris deux chop medium kick d'entrée. Turnaround punch, bien joué. Le reversal shoryu pour se protéger de ça. Son gros pied, balayette, son gros pied. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Tsuji? On se protège, là, il a arrêté ses reversals. Piano input, bon sang, piano. Et Aniken qui remporte donc ce premier round sur de l'audace et que de l'audace. Le dragon qui passe au gros point. Tatsumaki, Furiouski qui aurait pu se transformer en overhead. Là, ça passait. Hadoken, Hadoken, le pressing. L'ado, Hadoken, le ado trap. Le décalage chop bien contré par Tsuji qui l'a vu venir. Faut dire qu'il venait de loin. Turnaround punch. Attention au dragon de Aniken. Est très fort pour sortir le dragon. Encore un dragon bas médium. Dash glissade. Turnaround punch. Dash glissade. Turnaround punch qui fait mouche. Turnaround encore une fois. Les phalanges sur les trois kicks. Hadoken, Turnaround punch. Alors pour ceux qui se demandent, hein, oui, qu'est-ce que ça veut dire les phalanges sur les trois kicks. En fait, la plupart des joueurs, bien joué Daishao qui touche le dernier, Tatsumaki arrêté par le doigt. La plupart des joueurs sur 2X en fait, pour, parce que t'as pas le temps en fait, utilise les points donc avec le bout des doigts et avec les phalanges de la main. Voilà, les phalanges, le bout de la paume de la main en fait, appuie le bout de la paume de la main sur les trois kicks et relâche comme ça. Pour en fait charger les turnaround punch en même temps qu'ils appuient sur les points. Vous voyez, c'est comme ça voilà, qu'on arrive à ce genre de situation. Et on essaie pour Tsuji, assez expéditif, vous voyez, où il y a du one suivi de bas medium, dash très. Vous voyez, il appuie sur tous les punchs possibles et rappuie quand même sur les trois kicks. Vous voyez, dès qu'il lâche les trois kicks, il rappuie dessus, soit avec les phalanges, soit avec je sais pas trop ce qu'ils utilisent. Il y en a qui utilisent la paume de la main aussi. Enfin, ça fait une position de main sur le stick très bizarre et très 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 crispante. Mais lorsque c'est bien maîtrisé, ça donne lieu à des pressings absolument monstrueux. Allez, premier set pour Tsuji. Voilà, Dash Chopper qui est une feinte pour choper, ça marche. Le reversal Shoryu qui passe dans le vent et reversal quasi obligé dans ce genre de situation. Dash Chopper qui fait mouche. Le turnaround punch, Dash Lissade, voilà, qui passe sous le dragon, qui permet de venir à la bonne distance pour venir choper. Très beau mouvement de la part de Tsuji. Premier round pour Tsuji, allez, la sonnette d'alarme là pour Aniken. Faut qu'il se réveille un peu. C'est pas facile. Un turnaround punch qui fait vraiment très mal. Encore un turnaround punch au travers du dragon. Le dragon reverse allumé à temps puni. Voilà, pas de dragon ce coup-ci. On essaye d'éviter le massacre. Ah, le one qui touche encore une nouvelle fois. Dash glissade, turnaround punch. C'est une horreur. Voilà, ce gros pied qui touche beaucoup trop haut. On a le temps de récupérer et de choper à la redescente de Ken. Deuxième set pour Tsuji, violent. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots là. Et même la salle, ils sont là. Fait ouh, voyez, le mec en haut à gauche, il a ouh, voilà. Et il a mal carrément pour Aniken. Genre une espèce de rage dedans, empathique. Pour le pauvre Aniken, c'est vrai qu'il a souffert. Allez, voilà, il est à bonne distance. Là, il est à bonne distance pour mettre le pressing. Voilà, c'est bon. La chop medium kick, balayette, Hadoken. Balayette qui compte Dash Chopper. Dragon qui passe dans la garde. Et qu'à la chop qui passe pas. Attention, bas medium, dash glissade. À pas trop se reprendre les dash glissades. Reprendre la distance, Aniken. Voilà, comme ça. Essaye de l'amener au bon moment. Attention, turnaround punch, Hadoken. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Aniken. Voilà, la balayette qui passe. On gratte à la superbe. Attention, il se fait choper. La super en réflexe. Voilà, le dragon réflexe. Ouf, et ben c'est passé pas loin. S'il avait raté son reversal, c'était la fin là. Allez, premier round pour Tsuji. Il prend la glissade évidemment. Turnaround punch pour charger la barre de super direct après. Hein. Il est surpuissant. Boxeur, une fois qu'il a sa super dans ce jeu là. Turnaround punch sorti trop tôt. Se fait arrêter par la Hadoken. Hash kick. Le dragon qui se fait arrêter par le headbutt. Dash Chopper. Dragon à la relever. Attention, le cross-up. Non, c'est la furie qui passe dans la garde. C'était un safe jump. Aucun risque de se faire toucher. Bien joué. La courbe de Tatsumaki était tout simplement magnifique. Magnifique, là. Tatsumaki parabolique qui touche deux hits de cross-up et la chope à la redescente. Superbe ce qu'a réussi à faire Aniken. Et d'ailleurs, ouais, il est content et il esquisse un petit sourire. 2-1 en attendant. Attention, toujours un bal de match pour Tsuji. Ce gros point bas médium, évidemment. On provoque le dragon et ensuite on va choper. Dash Lissette qui passe. Attention, le perfect bas médium dans la garde ou pas perfect. Il a réussi à placer un bas médium kick Dash Chopper. Ça chope pas. Bas médium et encore une nouvelle fois la glissade. C'est incroyable à quel point ça peut être violent.
C'est ah, moi j'adore ça. Voilà, des Kalachops, t'avais qu'à envoyer quelque chose. Allez, encore une fois, allez, pour l'infini. Non, on se retrouve dans la même configuration que lors du premier set. Voilà, le headbutt qui passe dans la garde, encore la chope. Et le dragon qui passe dans le vent, pas médium. Dash glissade, un stun sur le headbutt. Attention, ce gros point, pas médium. Oh, Dash Chopper, 3 hit combo. Et victoire de Tsuji, absolument incroyable. Sur le stun, Tsuji qui revient. Y'a que dans 2x qu'on voit ça. Ou boum boum, tu prends 3 coups, t'es stun. Et boum, 3 hits, t'es mort. Allez, dégage. Dégage. Incroyable, Tsuji. Quelle remontée, Tsuji qui se qualifie donc pour la finale. Et on va donc avoir le droit à une demi-finale tout aussi magnifique entre Yuvega et Anniken. Ça promet d'être incroyable. La petite finale, c'est à suivre. C'est tout de suite, c'est maintenant.